Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce deuxième Nouvel Esprit Public en podcast. Merci aussi d'avoir été si nombreux à écouter le premier podcast de ce Nouvel Esprit Public. Nouvel Esprit Public que nous vous proposons avec le soutien de l'hebdomadaire Le 1, qui cette semaine consacre son numéro puisque comme vous savez il y a un seul sujet par numéro de cette hebdomadaire et le sujet de cette semaine c'est vivre avec le SMIC avec des articles de Jean Viard et de Philippe Claudel et le billet de Robert Solé qui manifeste à l'égard des patrons une pitié dont je crains qu'elle ne soit un peu feinte. Nous allons donc euh, euh, reprendre poursuivre notre esprit public en podcast mais Auparavant, je voudrais quand même vous signaler que, comme je l'ai annoncé la semaine dernière, vous pouvez vous abonner, ça l'abonnement est gratuit, nous ne voulons pas que cette émission se transforme en un club réservé à quelques happy few. Vous pouvez vous abonner, vous êtes même invité à vous abonner, mais vous pouvez aussi nous soutenir, nous soutenir financièrement. Et pour le faire, il suffit que vous vous branchiez sur le site de Ulule, vous faites fr.ulule.com slash... Nouvel Esprit Public sans séparation, ulule.com, slash, nouvel Esprit Public sans séparation, slash, et là vous saurez tout pour. Euh ce qui concerne le soutien que vous pouvez nous apporter. Nous allons donc essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous allons le faire avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Éric Leboucher, éditorialiste aux Échos et cofondateur de Slate.fr, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous commençons par nous intéresser à l'état de la droite républicaine. Vivement ébranlé par ses défaites aux élections présidentielles et législatives, le parti Les Républicains s'apprête à désigner son nouveau président lors d'un congrès les, 17, les 10 et 17 décembre prochains. L'échec du candidat de la droite, François Fillon, battu au premier tour de l'élection présidentielle avec seulement 20,01% des suffrages exprimés, pèse lourd cet échec dans la recomposition du parti. Après une primaire vivement disputée, marquée par l'élimination de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé, il faut le rappeler, le candidat des Républicains semblait promis à la victoire au soir du 7 mai, mais les accusations d'emploi fictif pesant sur lui ont entraîné sa chute et le retour des divisions au sein du parti. Cet échec présidentiel a été suivi d'une défaite aux élections législatives de juin. Le groupe Les Républicains à l'Assemblée ne compte plus que 100 députés contre 193 lors de la précédente législature. Il est concurrencé au centre par un groupe Les Constructifs Républicains, UDI indépendant, mené par d'anciennes figures montantes de LR, notamment Franck Riester ou Thierry Soler. Ces divisions de la droite républicaine au Parlement font suite à la nomination d'Édouard Philippe, ancien soutien d'Alain Juppé au poste de Premier ministre. Emmanuel Macron a également nommé au gouvernement Messieurs le maire et Darmanin, eux aussi issus de la droite républicaine, et l'offensive du gouvernement sur des thèmes traditionnellement ancrés à droite, tels la réforme du travail, les baisses d'impôts et le sérieux budgétaire, entame par ailleurs l'espace politique dévolu au parti Les Républicains. Tandis que les anciens ténors du parti ont quitté le devant de la scène, de nouvelles personnalités tentent de s'affirmer, notamment dans la course à la présidence du parti. Six candidats sont déjà alignés sur la ligne de départ. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Vauquier, déjà ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy et qui avait assumé la présidence du parti par intérim entre août et novembre. Mais la ligne qu'il défend est considérée comme droitière et elle suscite de nouvelles divisions. Alain Juppé, qui a réuni ses proches à Bordeaux à la fin de l'été, a répété que la porosité avec le Front Constituait pour lui une ligne rouge. Après avoir un temps fait planer l'hypothèse d'une candidature personnelle, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a lancé son propre mouvement, baptisé Libre. Et au début de l'été, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, avait déclaré que la droite républicaine était marquée, je cite, par une fracture terrible et qui reste ouverte. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange. Oui, euh, c'est une histoire extraordinaire que celle de cette droite que tout promettait à la victoire euh, jusqu'à euh, l'affaire, je dirais, jusqu'aux primaires, car dès la sélection de François Fillon, on a bien mesuré que euh, une partie euh, de l'électorat euh, acquis initialement à une candidature qui aurait été celle d'Alain Juppé était en réalité un peu gênée par un radicalisme jugé ou un conservatisme jugé excessif de la part de Fillon. Ensuite, on a eu le naufrage purement personnel, en apparence, de la candidature de François Fillon, qui a été considéré comme un candidat euh, impossible, mais ce qui est frappant, c'est que derrière ce naufrage personnel, euh, sont apparus des clivages extrêmement profonds et qui avaient été, en fait, jusqu'à présent, masqués. Ces clivages sur lesquels, c'est qu'il y a en réalité euh, deux droits, deux grandes sensibilités, on pourrait dire trois si on reprenait la, la trilogie, la terminologie de René Raymond, mais euh, on peut se les, les, les ramener à deux grandes catégories. On a d'un côté une droite conservatrice euh, sur le plan des mœurs, attachée notamment à une interprétation assez rigoureuse de euh, la morale chrétienne. Euh, autoritaire sur le plan euh, institutionnel et politique, très favorable par exemple à, à je ne dirais pas au tout répressif, mais enfin à une, à une intensification importante des moyens donnés à la police et qui arbitrent plutôt du côté de la police que de la justice quand on, on distribue ça. Et sur le plan, euh, sur le plan euh, international, euh, souverainiste, allergique à l'Europe et voire assez fortement xénophobe. On a ça d'un côté, et on a d'autre part une droite qui a été qualifiée par Raymond Barre, et cette, cette définition vaut, elle, elle est tirée en fait de Raymond Aron, en réalité, libérale, sociale, européenne. Ces deux droites existaient. Pourquoi sont-elles apparues comme antagonistes au moment de l'élection présidentielle, ça renvoie à une autre question pourquoi n'était elle pas apparue comme antagoniste antérieurement? Et je crois que si elle n'était pas apparue antagoniste antérieurement, c'est parce que le Front national euh, s'était lancé derrière euh, Philippot dans une espèce de, de fuite en avant de caractère chevènementiste et pas droitière qui faisait que cette droite dure ne se reconnaissait que très partiellement dans le front national qui en revanche picorait beaucoup d'électeurs du côté de la gauche en étant en, en maximisant en refusant de s'associer au combat de sens commun euh, sur la morale, en, en, en mettant en avant l'euro, la, la lutte, la sortie de l'euro, qui était évidemment un défi pour les épargnants, et en insistant sur tout un contenu social, hausse du SMIC, augmentation des maintiens, de, de prélèvements sociaux importants qui heurtaient les artisans et les commerçants. Donc, on avait une situation dans laquelle euh, la droite aurait dû gagner parce que le clivage le clivage entre ces deux droites était en quelque sorte annihilé par le gauchisme et le maximalisme du Front national. L'affaire Fillon a annulé cette, cette affaire et on a donc eu une réapparition des clivages très très fortement et ça a bénéficié à, euh, à Emmanuel Macron parce que au bout du compte on a le, le, les gens n'ont pas accepté que ça soit euh, de, de se mettre sur une ligne euh, sur une ligne aussi dure et alors que s'est-il passé par la suite eh bien par la suite en réalité, on voit bien, comme vous l'avez souligné, en fait, que qu'Emmanuel Macron est obligé, pas par choix idéologique, mais par nécessité gouvernementale, de faire des réformes qui regardent plutôt vers la droite. Si on veut relancer l'économie, il faut mettre en cause l'ISF, il faut euh, euh, remettre en, en, en cause... Euh, euh, tout un ensemble, euh, une fiscalité abusive, abaisser l'impôt sur les sociétés, euh, réduire et simplifier la taxation sur l'épargne, toutes ces mesures sont nécessaires, toutes ces mesures intéressent la droite et font horreur à la gauche, également diminuer les fonds d'intervention. Donc on a euh, une situation dans laquelle Macron occupe cette position. Et alors du coup, la droite est euh, coincée. Parce que d'un côté, elle ne peut pas se radicaliser, car si elle se radicalise, notamment sur le front de l'anti-euro, elle est, elle, elle est morte, et elle, est, elle voit son, son horizon son, 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 euh, euh, complètement pris par le gouvernement actuel. Du coup, il y a une, une, une espèce de, de, de voie étroite, mais que Vauquier s'apprête à occuper avec talent, qui consiste à dire Je vais faire de l'anti Europe, mais pas jusqu'au bout, certainement pas en mettant en cause l'euro, qui a été fatal à madame Le Pen, je vais faire du sens commun, du conservatisme et euh, moral dans, dans une certaine mesure, parce que là, Macron est très tourné vers le libéralisme culturel et j'ai quelque chose et, au bout du compte, je vais faire exactement l'inverse de ce que pensait faire Madame Le Pen, Madame Le Pen pensait digérer la droite, ou surtout Marion Maréchal, c'était surtout le calcul de la nièce, compter digérer la droite par l'extrême droite. eh bien moi, je vais digérer l'extrême droite par la droite. Alors je termine juste en disant que ça pose un problème d'organisation de la majorité actuelle, parce que pour faire échec à cela, il faut certainement que, euh, Emmanuel Macron structure ce segment de l'opinion publique à l'intérieur de la majorité. Or, jusqu'à présent, il y a une extrême prudence à organiser cette famille politique socio-libérale de façon euh, autonome et indépendante d'En de, euh, Marche. Donc il y a un vide qui doit être comblé. Marc-Olivier Jean Louis a bien remis en perspective euh, par rapport à l'élection présidentielle. La question qui se pose à partir de là, euh, me semble t-il, c'est de savoir euh, à quel stade de la recomposition on en est. La tentation des leaders de la droite, c'est euh, de revenir très rapidement à euh, un ordre de marche, évidemment, de pouvoir euh, euh, tenir son rôle d'opposition. Mais mon pari personnellement, c'est je pense qu'on n'est qu'au début de la recomposition politique qui s'est ouverte avec l'élection présidentielle. D'ailleurs, aussi bien à gauche qu'à droite. Et pour des, rayons, des raisons, ce qui est amusant en un sens, des raisons opposées. C'est-à-dire que la crise de la gauche est liée à l'exercice du gouvernement. Comme toujours, comme les historiens le, le savent, euh, le fait d'exercer le pouvoir plonge la gauche presque systématiquement dans une crise existentielle. Et c'est cette fois-ci, ça n'a pas manqué. C'est le cas. Tandis que la droite, c'est le fait de perdre les élections et de perdre le pouvoir qui euh, le, provoque chez elle une crise. Euh, existentielle et je pense que ça va durer euh, relativement euh, longtemps parce qu'il y a euh, dans le, le paysage qu'a décrit euh, euh, jean-louis des, des contraintes assez fortes mais euh, il, y a, il y a certainement besoin d'une recomposition euh, assez large. alors il me semble qu'il y a quatre points qui, que, que le, euh, les républicains vont devoir euh, traiter euh, dans les mois, mais même les années qui viennent. Bon, le premier point, c'est presque le plus simple apparemment. C'est pas toujours le cas, mais cette fois-ci, ça l'est. C'est le leadership, c'est-à-dire qui va prendre la direction du parti. Là, apparemment, Laurent Vauquier a pris de bonnes options, même si. Euh, <coughs> à la fois Valérie Pécresse et Xavier Bertrand euh, se positionnent pour euh, être euh, non pas en opposition interne, mais enfin dans une position un peu différente, pas complètement euh, ralliée. Bon, ça, c'est le premier point, le leadership. Deuxièmement, il y a la question de l'organisation du parti, la vie interne. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des courants ou pas et euh, quelle est la vie militante organisée Comment euh, euh, remobiliser des militants bon, pour un parti dont on sait aussi qu'il est en crise financière euh, par ailleurs Troisièmement, il y a la question du positionnement de ce parti dans la droite, donc dans un champ politique qui se recompose, euh, avec les contraintes qu'a expliqué Jean-Louis par rapport à l'extrême droite, par rapport, euh, disons, aussi à la stratégie du président Emmanuel Macron. Et puis le quatrième point, qui, moi, me semble le plus important, mais qui n'est pas, euh, disons, euh, pris en main de façon suffisamment sérieuse par les responsables politiques, c'est la question de l'expression de la société, c'est-à-dire les républicains. Ils expriment quoi Quel type de valeur Quel type d'intérêt euh, Quel type de mouvement de la société quel... et, et ça renvoie au, au problème de, de, de fond, en réalité, de euh, ce qui justifie l'existence des partis. C'est-à-dire, en quoi est-ce qu'ils rendent la société plus lisible à elle-même En quoi est-ce qu'ils rendent visibles euh, les conflits internes, les contradictions euh, de la société Et là, euh, <coughs> la, la tentation de, de, de passer outre le travail idéologique, de réflexion de fond, euh, risque d'aller très très vite, euh, euh, de, de, de pousser les responsables politiques à aller trop vite en la matière. François Bijon de l'étang. Oui, je ne veux pas me lancer dans la sémantique, mais euh, Marc-Olivier parle de recomposition. Moi, je dois dire que je vois davantage de décomposition que de recomposition. Et ça n'a d'ailleurs rien d'étonnant, puisque nous sommes au début d'une période qui est censée durer 5 ans, c'est un quinquennat, et que la recomposition est un phénomène... Par essence, très progressif et très lent. Donc, on en est encore à la phase de décomposition. Un second point sur lequel je voudrais ajouter un, un petit bémol, peut-être à ce qu'a dit Marc-Olivier, c'est qu'il a tout à fait raison de dire que c'est la perte du pouvoir qui plonge la droite dans, un, dans une crise existentielle, mais en réalité, la perte du pouvoir, elle date de 2012. Elle ne date pas de 2017. Ce qui s'est passé en 2017, c'est pire que la perte du pouvoir. C'est la perte d'une occasion historique d'y revenir. Et c'est une défaite en race campagne extraordinairement lourde, je pense. L'état des lieux, Philippe, vous l'avez fait dans votre introduction, mais il est terriblement négatif. Au fond, euh, la droite a vu son candidat défait dès le premier tour, ce qui ne s'était jamais produit encore sous la Ve République, c'est quand même sans précédent. Tous ces chefs historiques ont été défaits ou mis hors de jeu, hors jeu, par une primaire qui a été terriblement meurtrière finalement et chacun a été mis hors jeu avec une circonstance aggravante. Sarkozy mis hors jeu alors qu'en fait c'est sa deuxième défaite consécutive puisqu'il avait déjà été battu au suffrage universel en 2012. Juppé parce qu'il a plus de 70 ans et que par conséquent une défaite à cet âge-là coûte double si j'ose dire. Fillon parce qu'il est tombé dans les circonstances que vous avez rappelées et qui sont quand même très... Très douloureuse. Et j'ajouterais même d'autres leaders comme Barouin, par exemple, qui avait accepté bravement de mener la majorité parlementaire. Euh, enfin, ce. Le camp parlementaire a, a ce qu'il espérait être une majorité et qui a fini par se retirer sur l'Aventin après l'échec au Parlement, qui a été très lourd, celui-là aussi, il faut le signaler. La droite n'a plus que 136 députés aujourd'hui à l'Assemblée nationale, elle en avait 229 au législatif de 2012. Donc le pouvoir a été perdu, mais là il l'a été encore davantage, si j'ose dire. Alors ça c'est l'état des lieux, bien entendu. L'état des esprits procède directement de l'état des lieux. C'est celui, me semble-t-il, à droite d'un désarroi quand même très très complet. D'abord pour des raisons historiques parce que la droite n'a plus de chef, elle n'a pas de chef historique, ils sont tombés, on vient de le dire et elle va essayer de se donner un président avec le Congrès du parti Les Républicains mais dans la traduction la tradition bonapartiste qui était celle de la droite, le fait de ne pas avoir de chef est évidemment un élément très perturbateur. Ensuite pour des raisons idéologiques parce que euh, au fond Énormément des électeurs traditionnels de la droite soutiennent les idées réformistes d'Emmanuel Macron et se situent... Se, se définissent par rapport à elles. Alors c'est le cas bien entendu des, des constructifs, mais c'est le cas de beaucoup d'autres, comme on le verra au moment par exemple du vote des ordonnances ou du vote des mesures qui vont suivre sur la formation professionnelle, sur la loi de finances. Nous allons voir probablement un certain désarroi parmi les électeurs de la droite, dont beaucoup, au-delà du cercle des 35 constructifs, seront peut-être tentés d'aider M. Macron, puisque comme l'a dit Jean-Louis, beaucoup des mesures qu'il préconise sont des mesures que préconise la droite ou qu'elle appelle de ses voeux depuis, depuis déjà très longtemps. Alors euh, voilà, pour des raisons donc euh, politiques, la droite en plus est complètement divisée. Chacun y va de la création de son mouvement ça relève un petit peu du procédé qui consisterait dans une foule à se aller chercher un escabeau pour monter dessus et pour avoir la tête qui dépasse au-dessus des autres. Au fond, c'est ce que vient de faire M. Estrosi, c'est ce qu'a fait Valérie Pécresse avant lui. On est au-delà des courants. On crée des mouvements. Cette fois-ci, il y avait des courants. Jadis, ils ont été abolis par Sarkozy quand il a créé le mouvement Les Républicains. Et voilà qu'ils refont surface, et c'est au fond assez naturel, puisque la carte est en reconstruction. Alors, voilà, l'état des choses, c'est celui là, c'est une fragmentation complète, une absence de leadership, un manque de base idéologique cohérente et au fond, Valérie Pécresse résume assez bien la situation dans la formule qu'elle a utilisée. Ni Macron ni Buisson, une troisième voie est à inventer. Laquelle Chaque fois qu'on entend qu'une troisième voie est à inventer, c'est en général un qu'elle ne sera pas inventée et deux que les deux seules voies qui existent ne font pas l'affaire de la personne qui en appelle à une troisième. Éric euh, Leboucher. Boucher. Oui. Bien, comme l'analyse sur l'état des lieux est faite et bien faite, je vais me permettre un commentaire. La situation est quand même rêvée pour Emmanuel Macron. Elle est un rêve parce que à, à gauche, il a comme opposant principal euh, Jean-Luc Mélenchon, qui est un magnifique diviseur de cette gauche. On le voit bien sur les manifestations contre la loi travail, où il organise une, un défilé politique dans, euh, propre à lui, disons. Et puis on le voit, je crois, à droite aussi, si Laurent Vauquier, comme ça se dessine, devient le, le champion, euh, c'est, je crois, pour Emmanuel Macron une sorte de rêve. Pourquoi du rêve Parce que je pense que Laurent Vauquier, Jean-Louis a dit que c'était une voie très étroite, je crois que c'est une impasse c'est la voix en effet buisson c'est pas incompatible oui la, la voix se resserre oui. jusqu'à se fermer entièrement nous sommes donc d'accord mais par, par essence si je puis dire parce que euh, la droite en effet double d'un côté la droite libérale social-démocrate de plus en plus attirée où, euh, par euh, Emmanuel Macron où, euh, ou une plus qu'attirer euh, quand il lui coupe l'herbe sous le pied et de l'autre une droite de la droite ou une droite plus à droite ou une vraie droite à droite enfin celle telle que le, le définit euh, Laurent Wauquiez euh, alors il a il, il espère que ce qu'il va perdre sur sa gauche c'est-à-dire au centre ou bien sur cette première droite dont on parlait libéral euh, social euh, démocrate et ce qu'il perd là il va regagner euh, à droite sur les terrains de mme le pen, parce qu'il faut bien en parler, que, et constater qu'en effet, elle a pris un sacré coup sur la carafe pendant l'élection et qu'elle a beaucoup de mal à remonter euh, son parti, à lui redonner une unité et à rester en position de, de leader. Euh, on, on, on l'a vu, il y a au début de la semaine, donc je, je, il espère que c'est le moment, en effet, de, de prendre un, une grande part des électeurs de l'extrême droite qui votaient auparavant Mme Le Pen. Mais la contradiction est là. Est je, je ne pense pas qu'on puisse être à la fois rigoriste de la droite traditionnelle qui veut une réduction très forte de l'État, qui veut moins d'impôts, pour, pour résumer clairement, et la droite populiste, et une droite populiste qui, elle, comme Madame Le Pen veut euh, des dépenses sociales euh, et des fermetures de frontières, c'est radicalement opposé. C'est une contradiction. Donc, je, je pense que c'est pour ça que je, je parle d'impasse. C'est-à-dire que cette voie Laurent Wauquiez ne, ne peut pas conduire à euh, une victoire quelconque, je crois qu'elle tapera sur un, un plafond de verre exactement comme Madame Le Pen a tapé sur un plafond de verre parce que intrinsèquement son programme économique était contradictoire et donc tout ça est excellent. Pour euh, le président de la République, Jean-Louis Je ne je suis pas tout à fait d'accord sur l'impasse dans laquelle se situerait Laurent Wauquiez. Je crois qu'il y a un, un problème de fond qui, qui se pose sur l'analyse que l'on fait de la fragmentation du paysage politique français. Est-ce que nous avons, à travers la révolution macronienne entre guillemets, est-ce que nous avons un phénomène de substitution d'un nouveau clivage qui est société ouverte? société libérale, euh, société euh, européenne, euh, face à, à, aux, aux deux extrêmes euh, qui seraient euh, autoritaires, anticapitalistes et euh, nationalistes, souverainistes et vaguement xénophobes. Est-ce qu'on a une substitution de ce clivage à l'ancien clivage droite-gauche, donc un, une sorte de clivage biaxial euh, à partir du centre, en l'étude du centre macronien, vers les deux extrêmes ou est-ce que nous avons quand même maintien de la droite et de la gauche Personnellement, je pense que ce qui s'est passé doit être apprécié avec nuance, c'est-à-dire que ce qui s'est passé lors des, de l'épisode électoral de, du printemps dernier, c'est la priorité qui s'est affichée au profit de ce clivage société ouverte, société fermée, centre contre les extrêmes, sur le clivage droite gauche. Mais ça ne veut pas dire que le clivage droite gauche, pour le dire sommairement, liberté contre égalité, que le clivage droite-gauche est disparu. Nous sommes toujours dans ce système quadripartite que nous avons connu du temps de Hollande, où il y avait deux droites et deux gauches. Simplement, on a changé de priorité et sous la menace de Mélenchon d'un côté et de Le Pen de l'autre, on a restitué une position centrale. Donc le pari de M. Vauquier, c'est de réhabiter cette, 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 cette affaire droite-gauche, en se disant si je domestique le Front National, donc si je le vire, si j'élimine Madame Le Pen, et Monsieur Philippot, et si je digère Marion Maréchal Le Pen et ses amis, je reconstitue un bloc qui ne fait pas trop peur. C'est là où je suis un peu en désaccord avec Eric, et je ne fais pas trop peur, à condition de ne pas menacer directement l'euro. Et là, je me tourne. Je m'oppose à, 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 à Macron qui lui-même sera mal placé. Or, à partir du moment où Emmanuel Macron ne veut pas avoir une, une société politique à l'Allemande, c'est-à-dire avec une droite modérée et une gauche modérée distinctes mais qui passent des accords ensemble, et où il veut avoir un parti attrape-tout modèle UMP en réalité, il risque d'avoir une très grande difficulté à occuper ce créneau. donc je crois que le problème est aussi posé pour macron il faut organiser structurer l'espace socio libéral si on veut résister à m. vauquier. Je suis assez d'accord avec ce que dit Jean-Louis sur la question des clivages. C'est-à-dire que je suis assez surpris par les commentateurs qui disent maintenant il y a un nouveau clivage qui s'est imposé, ouvert-fermé, parce que ce clivage ouvert-fermé, on le voit au moins depuis le vote de Maastricht et le vote sur le référendum constitutionnel de, de 2005. On sentait bien oui. que ça venait, mais il y a un rapport dialectique qui s'est instauré entre ce clivage-là et le clivage gauche-droite, les deux étant... Dans dans une superposition euh, complexe, on avait vu que euh, chaque camp était divisé, euh, plus d'ailleurs la gauche que la droite pendant, pendant longtemps, par euh, euh, ce nouveau clivage qui est apparu à la faveur euh, des discussions sur l'Europe, mais qui est en réalité euh, une, un partage euh, culturellement assez profond euh, dans la, la société française, mais aussi dans les sociétés européennes. Mais euh, je ne pense pas qu'il ait complètement remplacé l'ancien clouvage, où on voit bien que les questions liées euh, aux stratégies économiques, aux politiques sociales, à l'égalité euh, n'ont pas disparu et, et restent pertinentes. Et aux mœurs, oui. Éric Le Boucher. Oui, non, pour préciser et répondre à, à Jean-Louis, c'est bien possible que Laurent Vauquet arrive à digérer le, le Front National tel qu'il le dit, mais en la, la digestion ne va se faire qu'à moitié. Je pense que ce faisant, le, le, le Front National va redescendre des 20% obtenus grâce à ce populisme un peu chevènementiste de, de gauchiste à son étiage d'avant, c'est-à-dire au père Le Pen, au maximum 10% pour, pour dire brutalement les choses. Donc l'Envoqué n'y gagnerait que, que 10% si vous voulez, et, et, il, et je pense qu'il perd beaucoup plus sur ça, sur le centre, sur sa droite. François Bujan de l'État La dispersion de la droite, au fond, euh, on la mesure au fait qu'il y a toutes sortes de fragments. Il y a, a d'une part ce que j'appellerais les compagnons de route de Macron, c'est-à-dire non seulement les constructifs, mais ceux qui vont voter pour un certain nombre de ces mesures et qui sont des compagnons de route sans être forcément des membres de son groupement. Il y a au fond les héritiers de Sarkozy, dans lequel je situerai Laurent Wauquiez, puisque c'est vraiment la ligne buisson que Laurent Wauquiez est en train de ressusciter. Sécurité, identité c'est davantage rassembleur à ses yeux que les sujets économiques et sociaux qui peuvent bénéficier à Macron ou diviser la majorité. Donc euh, il choisit au fond une ligne qui a déjà perdu deux fois en 2012 et aux primaires de 2016 finalement. Les orphelins de Juppé, ça c'est une troisième catégorie après les, 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 les héritiers de Sarkozy, c'est Valérie Pécresse, c'est Xavier Bertrand si vous voulez, c'est cette ligne conservatrice et sociale qui a du mal à se définir et qui est un petit peu en réserve de la République en attendant que les échéances électorales forcent à préciser les choses. Et puis à côté de ça, il y a d'autres orphelins, je dirais des, des, des victimes alors expiatoires, qui étaient les électeurs un peu satchériens de François Fillon parce qu'il n'y a plus aucune tentation de surenchère libérale sur la droite et que ce qui a fait le cœur du programme de François Fillon est aujourd'hui passé littéralement aux oubliettes. Jean-Louis Bourlange oui, je crois qu'on pourrait... Le problème, c'est qu'on pourrait étendre ça à la gauche. On pourrait faire exactement la même analyse. Donc le, la, la vraie question pour Macron, elle est, est-ce qu'il va, in, va inventer des structures qui permettent de retenir, parce que le pouvoir use, euh, donc le pouvoir use, comme euh, En Marche n'occupe pas une position idéologique extrêmement claire, En Marche est la courroie de transmission du président Macron, de son programme, de son charme, de ses capacités de séduction, de son mouvement, de tout un ensemble de choses extrêmement positives. Mais est-il de droite est-il de gauche On n'en sait rien. Et quand vous êtes soit quand vous êtes dans cette situation, soit vous prenez partout, soit vous perdez partout. Et donc, euh, comme de, euh, symétriquement, on ne laisse pas, on ne développe pas les sociaux libéraux, on ne développe pas non plus à gauche, euh, Valls et des, des sociaux démocrates, si bien que il peut se produire à une espèce de vide de la représentation et à la faveur d'un euh, d'une du, du, usure de pouvoir, une sorte de repolarisation autour de la, de la, de la droite qui serait donc plutôt chez M. Vauquier et autour de la gauche, mais là, là, Macron a un aide, une aide considérable parce qu'il y a euh, François Hollande qui revient, qui reste, qui multiplie les interviews et rien de meilleur pour Emmanuel Macron que la présence quotidienne de ce commandeur en panépice. Moi, je me pose la question des militants. Parce que, d'abord, qu'est-ce qui reste comme militant? deux anciens Les Républicains. Comment est-ce qu'un parti peut vivre durablement sans avoir cette capacité à la fois de mobiliser et en même temps d'énerver la société à travers l'action de ses militants Emmanuel Macron a eu ça au plus haut degré avec, disait-il, et pourquoi le mettre en, en doute, 150 000 adhérents à son mouvement En Marche. Mais qu'est-ce qu'ils deviennent ces gens-là Qu'est-ce qu'on leur demande aujourd'hui, à part de faire comme les chiens sur les arrières des voitures, comme ça, d'avoir la tête qui va de, de, de bas en haut et de haut en bas pour approuver le président Et du coup, le Seul qui est un parti avec des militants, c'est Mélenchon et La France insoumise, et tout le bruit qu'il est capable de faire. Mais je pense que progressivement, à travers un certain nombre de manifestations, l'idée qu'un parti pouvait vivre sans militants et qu'il suffisait d'aller sur les plateaux de télévision a fini par s'imposer dans beaucoup d'esprits politiques, et que c'est une catastrophe. C'est une terre. montré, si je puis me permettre. L'exemple anglais actuellement montre le contraire. Exactement. On a considéré que Corbyn était absolument impossible, mmh. parce que euh, gouvernementalement c'est évident. En même temps, il a doublé en quelques mois le nombre de militants du Parti travailliste. Et maintenant, à la faveur de, du, 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 de la situation très contradictoire dans laquelle se trouve le Premier ministre, on ne peut plus exclure qu'il arrive au pouvoir, ce qui est quand même une et chose assez étonnante. Exactement, vous m'avez... Couper l'herbe sous ah le bon. pied et tirer l'exemple de la bouche, mais vous l'avez fait bien mieux je n'aurais fait moi-même. Ouais ben... et, et je voulais juste. Ça m'inquiète un je, peu. <laughs> Rassurez-vous, la suite arrive. Non, mais je, je, je voudrais bien qu'en effet, nous, on médita en France sur l'exemple de Jérémy Corbyn. Mais nous allons nous intéresser euh, aux ouragans dont la puissante série a causé ces dernières semaines d'importants, de considérables dégâts dans la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique. La saison des ouragans, qui court de juin à novembre, revêt cette année une intensité toute particulière et plus d'une dizaine de tempêtes tropicales ont déjà touché la région. L'ouragan Harvey a frappé le sud des États-Unis fin août, ravageant notamment Houston, plongé sous les eaux pendant plusieurs jours. Le bilan humain est d'environ 40 victimes. Le bilan matériel pourrait dépasser le précédent historique des 100 milliards de dollars de dommages causés en 2005 par l'ouragan Katrina en <coughs> autour de la Nouvelle-Orléans et en Louisiane, les capacités de production et de stockage de pétrole des États-Unis ont été touchées avec l'inondation de nombreuses raffineries, le Congrès a adopté une aide financière d'urgence d'un montant de 15 milliards de dollars, dépense qui met sous tension la trajectoire budgétaire du gouvernement fédéral qui pourrait se trouver en face du risque d'un shutdown. Quelques jours plus tard, les 5 et 6 septembre, l'ouragan Irma a dévasté les îles des Petites Antilles avant de se déplacer vers Cuba et les côtes de Floride. Les îles françaises de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ont été ravagées, classées en catégorie 5 sur l'échelle de Saphir-Simpson. L'ouragan a fait 10 morts dans les deux collectivités d'outre-mer alors qu'un dernier bilan faisait état de 25 victimes dans l'ensemble de la zone. Les dégâts matériels sont également considérables. Le président de la République a annoncé la mise en place d'un plan national de reconstruction assorti d'un fonds d'urgence pour venir en aide aux populations. Ces événements ont donné lieu à des débats quant au rôle de l'homme dans la multiplication des catastrophes naturelles. Après avoir officiellement notifié aux Nations Unies le 4 août sa volonté de se retirer de l'accord de Paris, Donald Trump a préféré ne rien dire sur les causes de la tempête Harvey. Quelques semaines plus tard, depuis Saint-Martin, Emmanuel Macron semblait s'adresser à son homologue américain en déclarant, je cite, Ceux qui considèrent que le climat est un problème qui se discute dans les salons à Paris, New York ou Bruxelles n'ont qu'à venir ici. Les experts climatique hésite pourtant à se prononcer. Si ces phénomènes se nourrissent de l'évaporation de l'eau des océans au cours des mois d'été, et si le réchauffement et la hausse du niveau de la mer peuvent sembler des facteurs aggravants, aucune corrélation claire ne se dégage des statistiques. Tout au plus certains suggèrent-ils que le dérèglement climatique renforce l'intensité et la puissance des tempêtes tropicales, mais non leur fréquence. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. Alors je ne rentrerai pas dans le débat purement scientifique sur les liens de cause à effet entre réchauffement général et <coughs> intensité de la force des, des ouragans. Ce que je trouve intéressant dans ce sujet, c'est qu'on voit bien apparaître le lien entre euh, des phénomènes euh, extrêmes comme ceux-là qui ont un impact environnemental et sur les infrastructures, et le lien profond à, comme, avec euh, la situation institutionnelle, sociale et économique des régions qui sont touchées. Je veux dire par là que euh, l'ouragan fonctionne comme une sorte de révélateur des fragilités de l'organisation sociale euh, d'une manière euh, générale. Euh, et <coughs> ce qu'on voit dans les débats sur la situation à Saint-Martin, Surtout euh, et euh, en partie à Saint-Barthélemy, Saint pour euh, me contenter, euh, disons, de l'espace français, c'est euh, quelle est la gouvernance, quel est le modèle économique, quelle est la solidarité, euh, quelles sont les faiblesses de ces territoires. Or, on voit que ces faiblesses sont extrêmement importantes. Et, et donc, plus les territoires sont faibles, plus l'impact euh, d'un phénomène climatique extrême est euh, violent. Donc par exemple, pour Saint-Martin, quelles sont ses faiblesses? D'abord, euh, l'augmentation rapide dans la période récente de la population, une pression migratoire euh, d'immigrants qui arrivent d'Haïti et de la Dominique, et euh, un développement urbain qui n'est pas, euh, pas bien maîtrisé. Deuxièmement, du point de vue économique... Euh, la faiblesse des ressources euh, locales, il y a la pêche, le tourisme euh, surtout, et le fait qu'en absence de euh, modèle économique solide, euh, ces îles ont développé une stratégie euh, de paradis euh, fiscaux. Donc, puisque la population sur place ne paye pas de TVA, pas d'impôt sur le revenu, pas d'impôt sur la fortune, pas de droit de succession. Et donc, aujourd'hui, quand on en appelle à la solidarité de la métropole, elle est certainement importante, mais il faut quand même la mettre en perspective par rapport à tous ces systèmes dérogatoires. Euh, qui pose des questions euh, profondes sur le modèle économique qui est développé euh, sur place. Et puis le dernier point c'est la gouvernance, c'est-à-dire c'est un lien quand même assez ambigu avec la métropole euh, puisque euh, avant ces deux îles étaient des communes de la Guadeloupe, elles ont décidé de devenir des collectivités d'outre-mer. Euh, euh, avec une gouvernance euh, autonome, euh, et donc euh, quand on, on, on parle à nouveau de l'action de l'État, euh, on parle de l'action de l'État de dans des territoires qui euh, ont demandé une forme d'auto-gouvernement. Euh, donc euh, plus largement dans toute cette région, cet espace caraïbe, il y a un problème de euh, modèle économique et, et social puisque euh, dans le fond toutes les îles sont dans une stratégie de concurrence fiscale euh, d'attractivité fiscale et euh, d'attractivité touristique avec le développement euh, des jeux euh, des bars à hôtesse et tout ça n'est pas euh, extrêmement glorieux on dit que sur la partie néerlandaise de saint- martin ça marche beaucoup mieux mais enfin avec euh, euh, disons un, un modèle économique qui est quand même pas très euh, enviable de simplement développer des salles de jeux euh, et de la prostitution pour, pour les touristes américains qui arrivent en bateau. Donc, euh, tout ça a quand même un impact sur les deux débats qui sont ouverts. Premièrement, la commission d'enquête, ça semble un peu. Euh, le gouvernement a dit tout de suite euh, qu'ils étaient assez favorables parce qu'on euh, ne voit pas bien comment ça pourrait euh, déboucher sur euh, quelque chose de, de, de très intéressant, cette euh, commission d'enquête, dans la mesure où euh, l'ouragan était d'une puissance quand même euh, peu commune. Euh, et puis il y a toutes sortes de, de problèmes. Euh, sur 35 000 habitants, 7 000 avaient refusé de se mettre à l'abri, par exemple. Donc euh, euh, on peut mettre en cause après. Euh, euh, l'impréparation de l'État, mais enfin, il y a quand même des réalités euh, sur place. Et puis après, la reconstruction. Euh, Faut-il euh, reconstruire Les deux îles avaient déjà été dévastées en 1995, pas, il y a si, c'était pas il y a si longtemps, par un ouragan appelé euh, Louis. Et donc euh, certains commencent à se demander, mais est-ce qu'il faut même simplement reconstruire sur ces îles Est-ce qu'il ne faut pas simplement partir, euh, puisqu'on sait que ces événements vont se, euh, vont se reproduire en tout cas, même peut-être cette solution apparaît un peu extrême et aujourd'hui difficile à énoncer pour des populations qui ont été fortement éprouvées, mais tout de même euh, que euh, le code de l'urbanisme soit un peu mieux respecté, puisque euh, la tentation c'est de construire justement en bord de mer, le plus près possible de, de la plage, etc. C'est-à-dire là où l'impact de, de, des phénomènes d'ouragan de, de, est euh, le, le plus fort. Or, quand on entend les gens de Saint-Martin de dire il faut de nous des exemptions fiscales et développer le tourisme, ça laisse un peu sceptique sur le sérieux de la reconstruction qui va avoir lieu. Éric Leboucher. Oui, et sur Conséquence sur aussi la qualité des hommes politiques sur place et le, le problème énorme de la corruption. Parce que si on, on y donne 100 euros, il y en aura peut-être 50 qui vont partir dans la poche de certains. Il faudrait peut-être veiller à ce que ça n'arrive pas. 50% ce n'est pas un mauvais taux quand même <laughs> oui. d'attirer ça. Je suis Tous très activé. Trouvé Bollange nous fait des révélations <laughs> sur ces tarifs. Je voudrais parler des, des pillages euh, auxquels on a assisté non pas des pillages de gens qui sont partis dans les magasins prendre des téléviseurs ou des petits ordinateurs, euh, ça c'est rien. Mais des gens qui se sont battus pour aller chercher de la nourriture chez les autres. Et, et donc ça ça, ça, ça fait vraiment peur. C'est-à-dire qu'on a eu un peu une sorte de début de guerre civile, au moins pour la bouffe. Pour la bouffe. Et je crois qu'il faut réfléchir à, à faire le lien entre, euh, ce n'est pas fait je pense, entre les changements climatiques considérables... Et les conflits humains. Alors, euh, en Inde, par exemple, cet été, et il a fait une sécheresse épouvantable avec euh, des manifestations, la police qui a ouvert le feu, des morts, etc. Bon. L'université de Berkeley a calculé, et il y a des gens qui ont du temps, que un degré de hausse de température conduisait à 70 suicides de paysans en Inde par jour de plus, en moyenne. C'est ce qui a donné. D'autres études montrent comme ça que plus la température monte, plus l'agressivité des gens devient considérable. Alors, quand on sait qu'à la fin du siècle, à New Delhi par exemple, il y aura 200 jours dans la ville au-dessus de 35 degrés, que des régions entières vont devenir évidemment euh, inhabitables, qu'est-ce qui va se passer en matière de ranimation, de suscitation de nouvelles violences entre les hommes on a vu en, en 2018 déjà ce que ça a donné quand il y a eu les premières crises alimentaires au Maghreb. Ça a fomenté euh, des révolutions, entre guillemets. Ça a donné ce que ça a donné, mais euh, on a vu. Le, 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 le Climate Security Center, qui est un think tank qui travaille beaucoup, qui est suivi de près par le, le, le Pentagone, qui essaie de réfléchir un peu à long terme, a, a énuméré 12 centres euh, épicentres, comme ils disent, de... De, de futurs conflits, le combat pour l'eau, le combat pour l'énergie, le combat pour les terres. Et donc, il, il en appelle à ce qu'on ait une réflexion très globale sur les ressources, sur les préventions, sur les migrations qui risquent d'arriver, avec cet ensemble, non pas seulement des ouragans, mais l'ensemble des, des conséquences de, du changement climatique. Je crois que euh, l'épillage, là, c'est vraiment un tout début des conflits entre les hommes. Euh, que tout ça va, va. que le réchauffement va, va créer. François Bugeon de l'État oui, c'est euh, un peu difficile de voir clair dans tout ça. Vous me direz que ma remarque est tout à fait idiote puisque dans un ouragan, par définition, il est difficile de voir clair. Mais après l'ouragan, on n'y voit pas beaucoup plus clair. C'est ça que je trouve plus grave finalement. Il y a plusieurs angles d'attaque. Il y a l'angle climatique. Alors sur l'angle climatique, euh, tout le monde est en désaccord avec tout le monde. C'est comme généralement d'ailleurs euh, ce qui se passe sur l'affaire du réchauffement. Mais euh, les climatologues sont des gens qui n'est pas très facile de mettre d'accord. Ils sont peut-être encore plus divers dans leurs opinions que les économistes dans un genre comparable. Il semble bien quand même qu'une majorité d'entre eux considèrent les... il n'y a pas véritablement multiplication de catastrophes de ce type, mais qu'il y a aggravation dans la mesure où le réchauffement, semble-t-il, de l'eau à la surface des mers euh, accroît l'intensité. De ce type de phénomène. Alors, c'est très important parce que ça arrive en même temps qu'une controverse ranimée par Monsieur Trump et par les climato-sceptiques qui l'entourent, notamment Scott Pruitt, qui est le chef de l'Environmental Protection Agency, qui nie le réchauffement climatique et tout ceci ravive une polémique qui a un impact politique considérable aux États-Unis d'abord, mais dans le monde ensuite, puisqu'il s'agit aussi de l'application de l'accord de Paris et comme Monsieur Macron a annoncé la réunion prochaine à Paris d'une conférence. Ce qui doit faire le point de l'application de l'accord de la COP 21, ce qui vient de se passer dans les Caraïbes, mais aussi à Houston, en Floride, en Géorgie, va évidemment euh, activer la polémique. Alors, la polémique, elle existe aussi d'un point de vue politique sur la réaction des autorités. Excusez-moi, je vais avoir une réaction de fonctionnaire. Elle est classique, d'ancien fonctionnaire que je suis. Euh, chaque fois qu'il arrive quelque chose, c'est toujours. Un jour, fonctionnaire toujours, toujours. Oui, François, je vais vous le démontrer, oui, oui, je... mon cher Jean-Louis, mais je pense que vous en êtes un autre. Absolument. Euh, c'est toujours de la faute du gouvernement quand il se passe quelque chose. Rappelez-vous la canicule il y a quelques années. Tout le monde était prêt à dire que la canicule, c'était de la faute du gouvernement qui n'avait pas su prendre les mesures nécessaires. Là, c'est pareil. Alors, on oublie plusieurs choses. On oublie de dire que Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où l'impact a été maximum et où la dévastation est, est épouvantable, sont des îles et qu'il est plus difficile, évidemment, de prendre des mesures dans des îles qu'il ne l'est, par exemple, pour le gouverneur de Floride, de faire évacuer la côte par des millions de gens. Euh, dans une île et par surcroît des îles minuscules, c'est très difficile. Et dans des îles dont l'économie est quasiment mafieuse, comme vous l'avez rappelé les et les autres, et où il y a un nombre d'armes de, de points tout à fait disponibles, c'est encore plus difficile. Alors, euh, voilà. J'ajouterais à ce que vous venez de dire, François, qu'il y, oui. y a une paresse journalistique qui se manifeste beaucoup dans les médias électroniques, qui fait que justement, c'est facile de s'en prendre au gouvernement. Mais bien sûr, c'est plus facile de s'en prendre au gouvernement que de s'en prendre au, à ceux qui, localement ont tiré profit de toutes les exemptions et euh, oui. transgressions oui. de la loi, des lois urbaines, etc. etc. Et euh, c'est aussi très facile d'organiser un contraste entre euh, les gens qui, en effet, sont à bout, parce que, quelle que soit leur propre responsabilité, la situation dans laquelle Il ils se un trouvent désastre. est épouvantable, mmh. et de l'autre côté, de mettre en face de ça euh, les des responsables gouvernementaux qui, euh, bien entendu, eux, euh, sont euh, euh, tranquilles parce qu'ils rentreront chez eux après avoir fait trois petits tours Trois petits tours sur l'île. Il, il y a là une, il y a une tentation démagogique et une paresse dont on aimerait espérer que elle n'est que passagère. Jean-Louis Bourlange. Oui, sur, sur l'exploitation politique, c'est assez comique même parce que. Euh, on a eu, on a, on a, assisté à des événements quand même considérables. Premièrement, premièrement euh, c'est absolument inadmissible que M. Macron soit en Grèce, soit à Athènes, à faire un discours, etc. Alors même que honte à qui, à qui peut chanter pendant homme brûle, honte à qui peut parler à Athènes pendant que les îles des Caraïbes euh, se noient. Et, euh, et deux jours plus tard. Euh, utilisation, dénonciation de l'exploitation médiatique incroyable du président qui va justement sur place. Alors le pauvre, le pauvre Emmanuel Macron ne sait vraiment plus ce qu'il peut faire, ce qu'il faut y aller, pas y aller. De toute manière, il a toujours tort. Deuxièmement, la deuxième remarque qui est intéressante, je crois, c'est la comparaison avec les l'administration des Pays-Bas. Alors les Pays-Bas, ils avaient été très mauvais dans un précédent épisode. On avait été meilleur que le match aller, si je puis dire, avait été plutôt en faveur de la France. Là, ils se sont dit, on va être, on va être un peu meilleurs. Ils ont sans doute été un peu meilleurs que nous. Bon, l'État français, hein, nous sommes fonctionnaires, nous savons que l'État français n'est pas toujours très dégourdi, très rapide. C'est une situation très particulière et ce qui est neuf est toujours déconcertant. Cela dit, quand on regarde ce qu'ont fait les Néerlandais. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont amené, ils ont amené euh, le, le souverain, nous avons amené le président, ils ont amené des troupes de, pour maintenir, maintenir l'ordre, nous avons fait la même chose, et ils ont amené de la flotte pour abreuver les gens, nous avons fait la même chose. Donc il faut quand même bien voir que tout le monde est démuni. Et simplement, la grande différence, c'est le comportement des population, les néerlandais sont des gens qui considèrent que bah, il se passe des choses et qu'on ne doit pas automatiquement en imputer la responsabilité aux, aux, aux politiques. Les français sont un peu comme, le, sont un peu comme les, les fameux euh, soldats de Zaal qui euh, Lise dans un journal que le Honduras a battu euh, euh, le Guatemala au football 2 à 0 et le premier le, le premier soldat israélien demande au second est-ce que c'est bon pour nous et là on a l'impression que les hommes politiques sont comme ça chaque fois qu'il se passe quelque chose est-ce que c'est bon pour nous est-ce qu'on peut taper sur le pouvoir est-ce qu'on peut exploiter c'est effectivement assez dérisoire alors sur le fond des choses euh, je crois que quand même euh, le débat intellectuel, je crois que c'est quand même très très difficile maintenant de nier le phénomène du réchauffement. L'attribution, est-ce que c'est entièrement la main de l'homme euh, qui met le pied, comme diraient les deux Dupont, ou est-ce que, est, est que ce sont des phénomènes comme on les a vus, etc. C'est manifestement, je crois, que l'attitude humaine est très importante, mais on ne peut pas nier que, alors est-ce que c'est plus nombreuses ou plus intense, ça ne change pas grand-chose. Que nous sommes en face de modifications climatiques absolument massives, que nous avons ces phénomènes que nous avons ces phénomènes extrêmes dans un certain nombre de lieux, que nous avons des phénomènes de torrents, de, de, torrent, de pluies torrentielles dans le sud de la France qui sont également de plus en plus fortes et de plus en plus nombreuses, que nous avons une déstabilisation générale de la calotte glaciaire en, en, euh, au, au pôle, etc., qui est quand même une vraie préoccupation. Et donc nous sommes là, j'ai quand même l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans l'esprit de nos concitoyens nous avons pendant de, de longues décennies on a considéré que c'était un débat intéressant mais qui porterait ses, ses conséquences dans une dizaine d'années et là nous voyons que nous sommes confrontés à des, à des enjeux très précis je discutais avec un assureur qui me disait un réassureur qui me disait euh, Qu'est-ce qu'on fait en face de ça Est-ce que bon, je, nous allons payer Est-ce que nous allons reconstruire Est-ce qu'on peut reconstruire à l'identique A l'évidence, non, d'abord parce que pour les raisons qu'a rappelées euh, Marc-Olivier, c'est quelque chose de complètement euh, euh, misérable, c'est un urbanisme euh, de, tout à fait euh, de, de, dérisoire. Qu'est-ce qu'on fait Comment va-t-on agir en face de ces, de ces îles, dans ces îles où il va se reproduire des choses Donc je pense que de ce point de vue-là indépendamment de toute cette exigence vindicative d'un certain nombre de forces politiques, euh, le, le gouvernement et la majorité ont raison de dire qu'il faudrait une commission d'enquête, non pas pour simplement stigmatiser telle ou telle autorité administrative qui n'aurait pas tout à fait agi avec la rapidité requise, mais pour se poser deux questions quel est, comment doit-on modifier l'organisation des secours face à des défis qui sont d'un type nouveau et surtout quelles sont les conséquences qu'on doit tirer sur notre modèle social, urbain, touristique Et là, on, on doit quand même maintenant regarder en face une situation où, oui, le réchauffement climatique est là, non. Quels que soient nos efforts, nous n'arriverons pas à le contrôler. Il faut quand même regarder la réalité. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à partir du moment où il se produit Et là, c'est un défi qui est très difficile à relever et que nous n'avons pas jusqu'à présent assumé parce que nous avons, considéré, nous avons fait semblant de croire que c'était réversible. Je vous remercie. Nous allons maintenant entrer dans notre dernière séquence, la séquence des brèves, que je vais ouvrir, non sans vous avoir rappelé que vous pouvez soutenir financièrement ce nouvel esprit public en podcast en vous rendant sur le site ulule.com -E et ensuite ulule.com slash nouvel esprit public sans séparation et là vous serez guidé et vous serez vous aurez toutes les possibilités de euh, nous soutenir je voudrais juste faire une brève très brève il y a dix ans disparaissait le cardinal Lustiger. Euh, le dictionnaire du Vatican qu'ont publié, qu publié récemment les éditions Robert Laffont dans la collection Bouquin, mentionne une quantité de cardinaux considérables, des très anciens et des très récents, sauf le cardinal Lustiger. Et je crois que ça donne la mesure de l'importance et du dérangement que ce personnage extrêmement énergique, quelquefois sans doute d'une énergie qui pouvait un peu heurter les autres, mais ce converti qui avait aussi la la vigueur et l'impatience des convertis a pu apporter à l'Église de France. Et comme il y a beaucoup de manifestations autour du souvenir du cardinal Lustiger, je voulais simplement signaler qu'à mon avis, surtout compte tenu de l'étonnant silence de l'Église de France sur un certain nombre de questions, notamment celle des migrants, euh, pourrait intéresser nos auditeurs. François Bujon de Lédan. Nous sommes dans l'année qui commémore la révolution russe, nous ne sommes pas encore en octobre où Dieu sait ce que nous allons entendre, mais nous sommes après février, dont on a moins parlé, puisque la révolution de février a été éclipsée par le putsch bolchevique du mois d'octobre. Et la Revue des Deux Mondes, pendant ce temps-là, continue d'exploiter les trésors de ses archives depuis 1829, date de sa création, en publiant dans la collection Agora, chez Pocket, euh, un certain nombre d'écrits publiés jadis par la Revue. Et l'un d'entre eux vient d'être rassemblé en volume La Révolution russe vue par une Française. Ce sont les chroniques écrites après la Révolution de février et jusqu'à l'été. 1917, par une journaliste française qui s'appelait Marie-Limarkovitch, qui était l'envoyée spéciale du petit journal et de la revue des deux mondes à Petrograd, comme on l'appelait à l'époque, et qui a chroniqué les événements au jour le jour qui se sont passés entre février et euh, septembre, date de son retour en France. C'est tout à fait fascinant, c'est une très très bonne lecture qui donne une image extraordinairement vivante de ce qui s'est passé pendant cette période troublée qui aurait pu se terminer peut-être différemment. Envoyé spécial du Petit Journal et de la Revue des Deux Mondes, c'est un peu comme si aujourd'hui, il y avait un ou une envoyé spécial de 20 minutes et de la revue Commentaire. Oui. Euh, Cet heureux temps des plus, Jean-Luc Bourlange. <laughs> Oui, moi, je, vous savez, on, on dit toujours qu'il ne faut jamais revenir au lieu où on a pêché. Et pourtant, ce que j'ai fait cette semaine, parce que j'ai participé. Au lieu à le, au pluriel, en ce qui euh, vous concerne. Comment, nous, vous n'avez oui. pas pêché que dans un seul lieu. Non, bien sûr, je suis multipêcheur. Et euh, je, je suis avec une délégation de collègues du Parlement. Nous sommes allés au Parlement européen. Et j'ai retrouvé cette maison dans laquelle j'ai vécu pendant euh, 20 ans. Et j'ai écouté le, le discours de Jean-Claude Juncker. Et je voudrais, je voudrais simplement communiquer l'émotion que j'ai eue. Je, je compare un peu les deux assemblées. Je ne dirai pas de mal de l'Assemblée nationale, mais j'ai quand même le sentiment, en écoutant Juncker, qui est un homme assez affaibli physiquement, qui avait une sciatique, qui avait du mal, mais qui a tenu un discours à la fois équilibré, notamment. Prenant largement en compte les positions françaises, très prospectifs et très résolues et en voyant la ferveur qui, était, qui animait encore cette assemblée, j'ai trouvé que là, on sentait quand même que l'avenir de notre pays, il dépendait très largement de la capacité que nous aurions à fabriquer une véritable Union européenne. Je crois que les Français sont très mécontents, et souvent à juste titre, de la façon dont l'Union européenne est faite. Mais je crois qu'il suffisait d'assister à, entre... à, cette... à cette séance pour comprendre que, de toute manière, notre avenir supposait que l'Union européenne soit construite et qu'il y avait là un grand horizon qui demeurait notre horizon principal. Éric Leboucher. Ben, un livre d'actualité avant les élections... Euh... Allemandre, un portrait d'Angela Merkel par une journaliste, Marion von Rettergeme, qui s'appelle Un ovni politique. Madame Merkel, pas, pas Marion. Et alors, elle répond, elle a cherché dans une enquête extraordinaire, parce qu'elle a vu vraiment des dizaines et des dizaines de gens, sauf elle, qu'elle n'a vu que cinq minutes, la chancelière. Elle répond à cette énigme qu'est cette femme, qui, qui domine la scène politique européenne depuis plus de dix ans. Fille de protestante à l'Est, est ambiguë sur, sur le communisme au départ, ambiguë sur ses relations avec les partis, parce que euh, c'est elle qui a fait tomber Kohl, quand même, son mentor, pour des raisons de morale, euh, fille de protestant. Et au fond, la clé, donne Marion van c'est de dire que c'est une scientifique, euh, c'est une chimiste, et au fond, elle raisonne par logique. Et si elle est devenue très européenne, c'est que l'Europe. C'est la logique. Voilà, c'est tout un portrait très fouillé, très intéressant sur, en effet, un ovni politique. Euh, Marc Olivier Padis. Je partage une de mes lectures d'été. C'est le livre de Patrick Boucheron qui s'appelle Un été avec Machiavel, qui était une série de chroniques radiophoniques au départ. Et Patrick Boucheron est donc un historien spécialiste de l'Europe médiévale. Et euh, professeur, enfin, titulaire d'une chaire au Collège de France. Et là, on retrouve la vocation initiale du Collège de France, qui est, euh, par rapport au reste de l'université, euh, une institution un peu à part, qui doit diffuser le savoir à tout le monde. Et c'est ce qu'il fait avec beaucoup de talent dans ce livre sur Machiavel, qui est fort bien écrit et bourré d'informations. Je crois qu'Éric Boucher a un remords enfin plus exactement un un petit, oui un une deuxième, une deuxième, bref, si c'est possible sur Internet, on a, on a le temps. Ah non, à... non, non, ne croyez pas ça. C'est exactement à... la même durée. Je suis aussi impitoyable. À propos, de, à propos un, de, de, <laughs> sadique, de, de la mort de David Tang, qui était un, un chroniqueur euh, britannique en variété chinois né à Hong Kong, d'une famille très riche, des hérités et puis qui a fait qui a vécu parmi les stars qui a fait fortune au jeu qu'il a perdu plusieurs fois sa fortune et qui vivait vraiment avec les stars et que le financial times lui avait demandé une chronique sur l'urbanisme la décoration et il était toujours en retard et alors il donnait des, des réponses, des excuses pour son retard que, que le Financial Times a raconté drôlement. Il disait, ben je suis désolé, je suis en tournée avec les Stones. Je suis désolé, Kate Moss m'emmène au tatouage. Ou encore la meilleure, la reine trouve que vous me faites trop travailler. Je, je pense que vous venez de là de donner à Jean-Louis Bourlange une série d'idées oui. pour expliquer <laughs> ces, ces différents retards. C'était Le Nouvel Esprit Public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Marine Rowe produite par Julien Neville pour Nouvelles Écoutes, qui produit et qui distribue Le Nouvel Esprit Public. N'oubliez ni de vous abonner, ni de vous rendre sur le site ulule.com pour nous soutenir financièrement. Et en tout cas, à la semaine prochaine.